Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadec vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Tiny Tannis Wonderland Life sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Ce qui signifie... Ça signifie quoi d'ailleurs? Un geyser apparaît vers la falaise et vous permet de faire des allers-retours. Quand on aura vaincu le Seigneur Dragon, on sera des légendes. Ma tête apparaîtra sur les boîtes à goûter. Tu peux garder tes boîtes à goûter. Moi, je veux la lame des âmes. Au fait, vous comptez rester une fois que la campagne sera finie? Je sais pas. Faudrait vraiment qu'on répare notre vaisseau. Oh, t'es sûr? Parce que le monde extérieur est grave naze en ce moment. Vous pourriez rester et jouer avec moi sinon! Bientôt, toute l'énergie spirituelle sera à moi. Tu comprends ce que c'est, pas vrai? L'énergie spirituelle nourrit l'imaginaire. Chaque montagne, chaque océan, chaque sale petit gobelin, tous sont les fruits de l'imagination d'une préado tyrannique. Elle peut créer des mondes entiers, tout comme les détruire. Je vais m'emparer de ce royaume, de cet asile où elle nous retient prisonniers, et tous nous libérer de son emprise. Le Matar a dit que la pyramide était entourée par une ville morte. Le destin cherche le pouvoir qui lui permettra de sortir vainqueur. Il est proche. Il doit être absorbé par des mains héroïques. Ok. Les levels sont en haut, par exemple. Allez. Là, quelque part. Il n'y a pas de limite de poids de l'inventaire dans le jeu. L'enchantement protecteur est dissipé. C'est là, toi.
cité en ruine, Dosugol est super glauque. Ses murs sont délabrés. L'air y est pesant. Le sol est jonché de dépouilles. Voilà. Ça va, on a compris. Allez, on est presque arrivé. Fonçons dans le tas. Ok. T'es sûr? Parce que je peux continuer. J'ai toute une liste. J'avoue que j'étais curieux, mais Fred a raison. Foncer dans le tas, ça me paraît bien. Des portes, vous apercevez un puits spirituel gorgé d'énergie nécromantique. Le seigneur dragon s'en sert pour entourer toute la ville d'un enchantement protecteur. Pas de soucis, notre dissipation de la magie va s'en charger. On va purifier le puits de son énergie maléfique. Tais toi. C'est bon. Ça passe là. Dites, c'est vous qui avez fait ça? Même si c'était pas moi, je ferais genre que oui. La reine Adamantine soit louée. Venez, on a brillé là, en haut du mur. En haut ici.
T'es malade. Enfin, quelqu'un qui reconnaît mon génie. Oui, je suis imbattable. D'ailleurs, là, je suis en route pour aller botter le train du Seigneur Dragon. Dans ce cas, passez par le tombeau des héros. Je sais où c'est, mais j'étais trop faible pour m'y rendre. Venez, c'est par là. Suite à l'annonce du décès de la reine, je me suis rendu ici, espérant que l'énergie spirituelle de cette ville me permettrait de la ramener. Peut-être que vous serez à même d'y arriver. Un magie d'illusion a pu me soustraire au regard des patrouilles de squelettes. Vous devez rejoindre le tombeau des héros au-delà des murailles intérieures. Okay. Le Seigneur Dragon utilise les puits du péché pour bloquer l'accès. Si vous parvenez à purifier les puits, vous lèverez l'enchantement. Ce n'est qu'en purifiant les puits du péché que vous pourrez détruire les enchantements protecteurs qui vous bloquent la route. T'as entendu ce qu'a dit le vieux ? On peut ramener Étalon du cul ! Je sais pas, son destin m'a l'air plutôt scellé. Ah, mais t'oublies juste une chose, cher Fred. Le destin ne nous divise pas. Le destin nous rapproche. Ah oui. Comment il va rapprocher sa tête de son corps, petit malin? Je le dirai dès que j'aurai trouvé. Bon. Oh non, que des méchants! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Dégagez son cadavre! On a besoin de renforts pour renverser la balance! Bien.
serai prêt. Je veux relancer des sables. Maintenant que les spectres jaloux sont bannis du royaume des mortels, puis de l'envie et puis... Ben. Et un nom, premier effet. Vous allez gagner, c'est pas...
qu'est-ce donc que cela? C'est une feuille de poésie, bébé. Bon.
m'échauffer, là. C'est bien, ça. C'est reparti pour un tour. Les spectres cupides sont maintenant bannis du royaume des hommes. Et le c'est là. La vraie magie, c'est l'écriture ciselée de talentueux scénaristes à travers le monde. Ok. Tuyauterie de gens morts depuis belle lurette, on n'est pas des plombiers. Ouais, un héros plombier, ça prendra jamais. J'ai les poches vides. Celui-là est à moi. Pas de touche au butin. Les spectres furieux se précipitent hors du puits de la colère, avec seul but de botter le train. Quand on est opportuniste, toute carte est une carte au trésor. Des enchantements. Je veux juste attendre le boss. Ça va, il y a pas le feu. On s'amuse bien là. Je peux relancer des sorts.
Tina, c'est moi ou tu fais du remplissage pour qu'on reste jouer à Bunker et Brutasse avec toi? Mais non, trop pas. Les anciennes catacombes font partie intégrante de l'arc narratif. Bande de grenoubes, vous croyez quoi? Mais je vais sauter sur l'occasion. Grâce à toute cette énergie spirituelle qui m'entoure, je peux créer toutes sortes de nouvelles horreurs en un claquement de doigts. Cette cité fut fondée par une civilisation d'ensorceleurs d'élite appelée les Vatu. J'y ai lancé boules de campagne maléfiques. Mais elle s'est éteinte bien avant mon arrivée. La ville fut conçue pour canaliser l'énergie spirituelle de ce monde, car les Vatu avaient percé ses secrets. Ils vivaient au crochet du reste du monde, tels des dieux bouffis d'orgueil. Autant dire qu'ils avaient trouvé le vivre. Tu as compris de quoi ils retournaient lorsque je te passe les détails. Les âmes des Vatu ont été absorbées par le dispositif même qu'ils avaient créé. Le reste jamais le maître éternellement. C'est parti pour un tour. C'est levé. Quel est le meilleur endroit pour enterrer mon butin? J'ai l'impression d'être un écureuil. De savoir qu'il y a eu d'autres mains du destin avant toi, toutes héroïnes de leur propre récit. Mais aucune n'a su se montrer digne du titre. Elles se sont contentées de jouer à son jeu et de lui obéir, parce que c'est exactement ce qu'elle veut.
création, par exemple. Elles n'existent que pour me servir. Et si elles échouent, j'en crée de nouvelles, parce qu'elles sont remplaçables. Comme toi. On pourrait pas plutôt rentrer tranquillement chez nous, si possible, avec les pastels pour moi. Je crois que pour toi, ça suffira comme ça. Seulement un nom, ma vie destin. L'a-t-elle déjà prononcé? Elle ou qui que ce soit? Et voilà, c'est bien ce que je pensais. Voilà une cible facile. Thank you.
émergez de catacombes pleines de sable et suivez les câbles emmêlés des mécanismes mangeurs d'âmes des bateaux. Allez, Bleuzaille, direction le tombeau des héros. Regarde-moi la face. Un gigantesque objet arcanique se dresse devant l'entrée protégée par un enchantement du tombeau des héros. Il a un nom à rallonge hyper classe, mais en gros, c'est un giga laser magique trop cheaté qui peut faire sauter l'enchantement. Ça me va parfaitement. Hey ! Ces types rôdent autour de notre giga laser magique trop cheaté ! Boutons-leur le cul ! Ça a duré trois plombes, sérieux? Bon. Je me demandais ce qu'elle est arrivée. Cet objet arcanique a été conçu pour amplifier la magie au maximum. Si vous utilisez votre dissipation de la magie dessus, ça balancera une méga dissipation de la mort qui tue. Donc il va nous falloir des runes de dissipation de la mort qui tue. Qui se trouve à l'ouest et à l'est béton du laser. Pour moi, c'est juste du butin qui attend d'être pillé. Sors sa charme! Rune de l'Ouest sécurisée! T'approche pas!
béton. Ok. À l'attaque, créature. L'objet arcanique est boosté d'énergie dissipatrice. Boosté de la mort qui tue, j'espère. Appuie sur la rune d'activation. Feu à volonté.
pénétrer dans le tombeau des héros, où reposent tous les héros légendaires de cette contrée. Enfin, pas tous. C'est quoi l'adage déjà ? Pas de répit pour les brutasses. Vous entendez ? Un hennissement familier. Et soudain, l'espoir renaît. C'est comme un rêve. Sauf que c'est pas votre reine. C'est une jument de minuit. Nightmare. Comment t'as pu corrompre quelque chose d'aussi pur ? Je me soucie de la nature. Je te sors un sort. Ou pareil.
J'ai pas le fucking bon gun pour tuer ça vite fait des mains, c'est triste. Oh, lisse. Pourquoi c'est déjà ouvert, ça? Hostie, non! Je comprends.
parti. Yes! Première partie. What? Ok, il y a quelque chose qui va pas, faut que je me fais protéger de ça. Wow! Je peux pas croire. Comme tu sais, la première version ou la deuxième version? Je filerai un double pourboire au passeur la prochaine fois. Lynn m'appelle Léon. Vitesse. L'électricité, ça protège de l'électricité.
Oh, je peux pas l'acheter. Je peux pas acheter. Ah, ok, non. Ça une autre fois. On va prendre une pause pour le dîner.
Il est où? Laisse-toi! Non! Manquait rien, tabarnak.
Ça a duré 3 plombs, sérieux? Show it.
L'as-tu eu? Oui, je l'ai eu! Wouhou! 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 Qui me tire, toi, là, mon tabarnak? T'avais aucune chance! Donne-moi une sauvegarde. Je veux une sauvegarde plus vite. Eh bien, allons-nous en faire d'autres. Tina, je veux te faire vivre une aventure inoubliable. C'est comme retrouver enfin ce qu'on avait perdu depuis si longtemps. C'est comme rentrer... Tu arrives dans la chambre de la cathédrale de la haine obsidienne. La lame des âmes est devant toi. C'est un choix important. Alors... Il la prend et fait... tous les méchants qui existent. Tu en es sûr? Ouais, j'hésite pas, bon. D'accord, mais ton personnage devient méchant. Quoi? Trop pas! Le chevalier dragon est pas méchant, c'est un héros, ma gueule! C'est la main du destin! Il vient de massacrer des milliers de gens. Tu ne trouves pas ça maléfique? Mais c'est pas maléfique! C'est trop débile! Je veux plus jouer à ce truc! Ah, je sais! Je vais le maître du bunker! Tina, attends! La main du destin est décelée. Abandonnée pour un crime qu'elle n'a jamais choisi. Tout comme tous ses autres actes. Sa réfléchie par elle-même. Plus de lancer de dés, plus de mer. Je préférerais le découvrir par moi-même. J'espère t'avoir ouvert les yeux. Si je suis méchant, c'est parce qu'elle m'a... Alors ? Bien. Si tu tiens tant à faire preuve d'héroïsme, il ne te reste qu'une chose à faire. Plus qu'une chose à faire. Gravissez la pyramide... Terrassez le seigneur dragon et reprenez la lame des âmes. Bon, ok, ça fait trois. On se bouge! À l'attaque, Bleuzaille! Tu peux le faire! Après tout, tu es la main du destin!
Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Tiny Tina's Wonderland Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!